Déjà là, mon ange, je ne suis pas encore mort. Non, mais j'ai l'impression que ça ne devrait pas tarder. Peut-être, mais si tu veux bien m'excuser, il me reste encore un travail à finir. Un travail ? Et tu espères faire quoi dans l'état où tu te trouves ? Tu n'arrives même plus à tenir ton arme. Qui vivra, verra. Mais ce truc ne mourra pas tant que je ne lui aurai pas tiré dessus deux ou trois fois. Et lui, alors ? Il est mort. Vraiment ? Je te remercie. J'imagine que c'en est fini pour moi. Et mon ange, je sais que tu ne vas pas m'emmener au ciel, mais tu pourrais prier pour moi, au moins. Non, mais ça va pas, la tête. Tu crois vraiment que je vais prier pour toi ? Enfin, je te dois bien ça. Après tout, tu m'as sauvé la vie. Chacun son tour. Ferme-la et retiens-toi. Allez, on y va. Allez, lève-toi, sinon je te laisse ici. Mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai plus mal du tout. Je suis guéri. Et alors ? Oui ? Je t'ai guéri. Et après ? Toi ? Toi, tu m'as guéri ? Mais j'étais presque mort. Incroyable ! Alors tu es réellement un ange ? Ne sois pas ridicule. Tu crois vraiment qu'il y a des anges sur cette terre ? Je n'ai rien d'un ange. J'ai juste quelques pouvoirs de guérisseuse. Je m'appelle Edward Plunkett. J'ai l'air un peu louche, je sais. Mais toi non plus, tu ne respires pas l'honnêteté. Je ne suis pas comme toi. Et les gens comme toi n'ont rien à faire ici. Pourquoi es-tu venu ? C'est à cause d'une rumeur. Une rumeur ? Oui. À Londres, j'ai entendu dire qu'un fils de riche avait acheté un vieux monastère. Et qu'il avait dépensé une fortune pour en faire sa demeure. Et il paraît même qu'il a fait venir pas mal de filles. Il a l'air de se payer du bon temps. Et où est-il, ce monastère ? Et c'est ce que je cherche à savoir. J'ai fait tout ce chemin pour inculquer la crainte de Dieu à ce gros fils de famille. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. Et j'ai été attaqué par ce monstre. Il a failli me tuer. Une seconde de plus, j'étais au fond de son estomac à chanter des cantiques. Je n'aurais jamais dû acheter un aussi bon cheval. Il est trop rapide. Dommage, il t'aurait plu, les cantiques. Quand j'étais petit, j'avais une belle voix de soprano. Tais-toi un peu ou je te laisse ici. Je m'appelle Koudelka. Alors écoute-moi bien, parce que je ne te le dirai pas deux fois. Si tu veux sortir d'ici vivant, ne me quitte pas d'une semelle. Compris ? Mmh. Merci du conseil, Koudelka. Nous avons rarement le plaisir de rencontrer des voyageurs dans notre contrée si austère. Il n'y a vraiment rien à voir ici. Il fait très froid dehors, n'est-ce pas ? Nous n'attendions personne. Nous n'avons que de la soupe, mais prenez-en autant que vous voulez. Mais n'hésitez pas. Merci, ça sent très bon. Vous n'en voulez pas ? Vous n'aimez pas la soupe ? Si. Seulement, je n'ai pas très faim. Mais je vous remercie de votre hospitalité. Je vous en prie. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Nous vivons tout seuls ici. Et c'est si rare d'avoir de la visite. Donc vous êtes vraiment les seuls à vivre ici. Et pourquoi cette question ? Avec le brouillard, je n'ai pas pu voir grand-chose, mais ce bâtiment ressemblait à une grande église. Ce doit être un peu grand pour vous deux, non ? C'est vrai.
Au 9e siècle, un saint homme venu d'Irlande, Daniel Scotius, a bâti ce lieu de culte pour calmer les monstres et les esprits maléfiques. C'est ainsi qu'est né le monastère Nemeton, du moins c'est ce qu'on raconte. Des monstres ? Vraiment ? Eh oui, des monstres. Et pourquoi ? Eh bien, ça va vous étonner, mais on a croisé un monstre sur notre chemin. Alors, vous l'avez vu aussi ? Comment ça ? Ça fait longtemps qu'il traîne par ici ? Eh bien, nous nous occupons de ce monastère depuis des années. Mais cela fait 6 mois environ que des monstres sont apparus. Et il en surgit de plus en plus. Avant, j'étais marin. Les monstres ne me font pas peur. Mon Dieu ! Et s'il vous arrivait quelque chose ? On a failli y passer tout à l'heure. Et on n'a plus de munitions. C'est dangereux. Les monstres pourraient bien remettre ça. Je vais vous en donner. Merci, c'est très aimable. Quand quelqu'un est dans le besoin, il est toujours là. Et vous vous connaissez depuis longtemps ? Oui, ça fait un certain temps. Il passe sa vie à peindre et à réparer cette vieille bâtisse. Ça l'occupe. Mais dans sa jeunesse... Merci, Ogden. Je vous revaudrai ça. Ça, ça nous fera un excellent repas. Prenons-en avec nous. C'est incroyable. Tu as encore faim ? J'ai passé 3 jours sans rien manger et sans rien boire. Bien sûr que j'ai faim. Quand je pense que toi, tu as refusé cette bonne soupe. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Moi ? J'en aurais bien mangé si elle n'avait pas été empoisonnée. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis, si cette soupe n'avait pas été empoisonnée, j'en aurais bien mangé. C'est clair ? Empoisonné ? Mais non ! À peine. J'ai senti l'odeur d'une plante vénéneuse. Oh ! Et qu'est-ce que... Oh ! Je peux te dire ce qui va se passer. Dans une demi-heure, tu seras complètement paralysé. Et si tu ne trouves pas un antidote, tu y passes. Oh, alors, ils voulaient nous tuer. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je crois qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils doivent cacher quelque chose. Écoute, Edward, je vais essayer de te soigner. Mais il faut me promettre qu'après, tu n'iras pas t'énerver et te précipiter chez le couple de gardiens. Il vaut mieux se faire passer pour mort et aller explorer cet endroit. À mon avis, on ne regrettera pas la promenade. Oh, ma tête. Oh. Qu'est-ce qui... Ah oui. Oui, je me souviens. Un monstre. Oh. Oh. Mais qui diable êtes-vous ? Hé ! On vous sauve ? Et c'est comme ça que vous nous remerciez ? J'ignorais que, de nos jours, les voleurs venaient au secours des inconnus. Espèce de... Oh. Je m'appelle Koudelka, et voici Edward. Que vous est-il arrivé pour vous retrouver dans cet état ? Je m'appelle James. James O'Flaherty. Je fais des recherches, et elles m'ont conduit à ce monastère. Je ne me doutais pas qu'il était devenu un repère de... d'esprit démoniaque. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Par l'entrée principale, bien sûr. Les gardiens m'ont accueilli à bras ouverts. Ah oui, ce fameux couple. Ouais. Et votre repas ? Il n'était pas empoisonné ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez perdu la tête ? Les gardiens ont tenté de nous empoisonner. Vous n'êtes pas drôle. Comment osez-vous vous jouer d'un fervent défenseur de la foi chrétienne ? Donc, il ne vous est rien arrivé ? Bien sûr que non. Jusqu'à ce que je rencontre ce monstre. Oui. Et sans nous, vous auriez fini en charpie. Notez que je n'attends aucune gratitude de votre part. Je vois.
Si j'en crois votre allure, vous n'auriez jamais pu écarter ce monstre par la seule force de votre foi. Ce genre d'incident ne se règle pas avec des prières. Ah. Regardez cette fontaine. Elle est en ruine. Mais il y a peu, il en jaillissait de l'eau bénite. Oh, Dieu Tout-Puissant. J'ai été faible. Mais donne-moi la force de repousser ces monstres. Bon, je crois qu'on perd notre temps ici. Allons-y, Koudelka. Un instant. Même si je jouis de la protection divine, mieux vaut me prémunir contre le mauvais sort. Je vous accompagne. Ce bâtiment est vraiment lugubre. Malgré la présence du temple, on ne sent pas la présence du Seigneur. Je donnerais cher pour ne pas être ici. Là où tous furent et tous iront, être le néant que je fus avant de naître à la souffrance de vie. Lord Byron, n'est-ce pas? Je ne suis pas un adepte. De toute façon, sa poésie manque de raffinement. Mais qui êtes-vous pour vous permettre de juger du raffinement d'un poème? La poésie doit toucher les croyants comme les non-croyants. Au plus profond d'eux-mêmes, elle doit éclairer l'âme, comme le font Alexander Pope et George Herbert, par exemple. S'ils ont le pouvoir de faire fuir ces esprits maléfiques, je suis d'accord avec eux. Même avec ce fils de charpentier que vous chérissez. Sacrilège! Païenne! Osez-vous blasphémer de la sorte? C'est ridicule de croire en un sauveur qu'on n'a jamais vu auparavant. Oh. Surtout lorsqu'on voit tous ces gens mourir de faim jour après jour à Londres. Ah. Ce sont sûrement des êtres immondes et décadents qui méritent la mort. Le ciel est... Et ce bruit n'est pas celui d'un esprit démoniaque. Le bruit vient de ce bâtiment, là-bas. Comme le poison n'a pas marché, ils essaient une méthode plus radicale. Enfin, c'est impensable, c'est ridicule! Et ces coups de feu, on les a rêvés, peut-être? Vous discuterez plus tard! Oh mon Dieu! Ce lieu est plein de cadavres et de squelettes. Et il est rempli de fantômes et d'esprits. Oh, je les sens. Oh, ma tête me fait mal! J'ai un mauvais pressentiment. C'est horrible. Seigneur, sauvez ces âmes perdues. Ça a dû se passer il y a longtemps. Oh, je sens une force immense. Si j'arrive à canaliser certains de ces esprits, je pourrai peut-être découvrir ce qui s'est passé. Canaliser les esprits? Honte! Honte à vous! Vous devriez prier pour leur salut. Les esprits qui hantent cette pièce, je peux les laisser parler à travers moi. Je suis venue parce que j'ai entendu l'appel de l'esprit d'une femme. Elle était... Je ne puis tolérer cela. Non seulement vous ne croyez pas en Dieu, mais vous voulez tourmenter les esprits. Taisez-vous! Laissez-moi faire. Des chaînes. L'obscurité. La mort. Oh non! Ils sont si nombreux! C'est si affreux! Mais qu'est-ce qui t'arrive? On les a emprisonnés! Et torturés! Et... des milliers ont été... Tuez-les! Ils m'ont coupé les doigts! Ils m'ont broyé les jambes! Ils m'ont écrasé la tête et arraché les entrailles! Ils m'ont tout pris! Ils m'ont enfermé et m'ont découpé en morceaux! Ah! Oh mes yeux! Ah mes oreilles!
quelle horreur! Cet endroit était une prison. Pendant des siècles, dans le plus grand secret, quiconque bravait les autorités ou commettait la moindre faute était emprisonné ici. Et tué. Non, ne me touchez pas! Dégagez! Allez au diable! Mon Dieu. Vous avez vu tous ces cadavres? Ça ferait une belle fête s'ils étaient vivants. Ils ont dû être abandonnés là, il y a des siècles. Il a dû se passer ici des histoires fascinantes. J'ai vu aussi des cadavres plutôt frais. Un type tué par balle, un autre qui a eu la tête fendue par une hache, et d'autres sans aucune blessure apparente. On a dû les empoisonner. Je parie que c'était des aventuriers comme nous. Ça, c'est encore un coup des gardiens. Dites, vous croyez vraiment qu'ils ont tué tous ces gens? C'est ridicule, ridicule! Et tous ces morts, c'est ridicule? Ce n'était qu'un ramassis de truands. Ce lieu demeure un monastère, la maison de Dieu, prison ou pas. Et peu m'importe pourquoi ces mécréants ont trouvé la mort. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'est peu charitable venant d'un prêtre. Je ne suis pas un prêtre. Je suis évêque. Je me fous totalement de ce que vous êtes. Je ne soutiens pas que tous ces gens étaient des saints, d'accord? Mais de là à dire qu'ils méritaient la mort... Mais vous avez vu ce couple? Des gens prévenants, chaleureux. Eux, des assassins? Des gens prévenants? Parfaitement. Réfléchissez une seconde. Pourquoi ont-ils laissé ces lieux dans cet état? Je n'en sais rien. Ils pourraient au moins enterrer les corps. Peut-être, peut-être. Peu importe. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls avec tous ces cadavres et ces fantômes. Vous devriez surveiller vos paroles. Si vous tenez à la vie. Bon sang! Qu'en penses-tu? Tu crois qu'on peut sortir? Je ne pense pas. Il faudrait être fort comme un bœuf pour briser ça à main nue. Comment ça, on ne peut pas sortir? Il y a forcément un moyen? C'est à eux qu'il faut le demander. Bon sang! Vous avez vu? Il y a quelqu'un! Arrêtez de plaisanter, faites-nous sortir d'ici. Pour des voleurs dans votre genre, ce ne doit pas être bien difficile. Dites ça dans l'East End, cher saint Tom, et vous aurez la tête tranchée avant d'avoir pu finir votre phrase. Quel gâchis. Je me demande pourquoi je perds mon temps avec vous. Dieu m'a confié une mission. Quel gâchis! Quel terrible gâchis! Je m'appelle Charlotte, mais ça ne veut rien dire. Et ne vous faites pas d'illusions, hein? Je parle à trois cadavres. Personne ne viendra vous sauver, personne. Alors tu es morte? Ici? Oui, je suis morte ici il y a des centaines d'années. On m'a emprisonnée juste après ma naissance. J'ai été décapitée le jour de mes 9 ans. Joyeux anniversaire. Depuis ce jour, je suis enfermée ici et personne ne sait qui je suis. Oh mon Dieu, pauvre petit ange. Pauvre petit ange, moi! Gardez votre pitié pour vous, d'ici 3 jours, je serai mort. Mon enfant, mon enfant. Je ne sais ce qui t'est arrivé, mais je suis sûr que ta mère t'aimait beaucoup. Ma mère? Je ne connais ni son visage, ni son nom, ni de quel pays elle était, rien. Vous croyez que ça ne compte pas? De ma naissance à ma mort, personne ne m'a jamais aimée. Et je n'ai jamais voulu être aimée. Mourez! Mourez tous! Mourez! Fascinant. Absolument fascinant. Ce monastère recèle tant de trésors. Mais c'est la signature de Montaigne. Et là, c'est un Caravaggio. Incroyable. Vraiment. Mais
Comment a-t-on pu les oublier? Des trésors. Mais si ces trésors pouvaient être remis au Vatican? Pour les chrétiens, leur valeur est tout bonnement inestimable. Quelle découverte! Rappelez-vous ce que fut cet endroit. Ce n'est pas un simple monastère, c'était une prison. Des gens ont été exécutés pour avoir voulu prendre le pouvoir. C'est à eux qu'on a dû voler tous ces objets. Ils ont trempé dans la haine et la trahison. Vous serez maudits si vous vénérez ces objets. Je n'ai ni le temps, ni la patience de vous expliquer ce qu'est la foi, mademoiselle. Mais je vais vous dire pourquoi nous avons trouvé ces trésors. Parce que nous les devons au Seigneur. Il nous a guidés. Le Seigneur voit tout. Il sait tout. C'est clair? Allez prêcher les convertis. Qu'en dites-vous, Edward? Vous me semblez un peu plus cultivé. Moi, je m'en fiche. Je ne crois qu'aux richesses matérielles. Alors, épargnez-moi vos bondieuseries. Vous me décevez. Cela ne m'étonne pas, mais vous me décevez. Ces voleurs valent bien mieux que vous, sans doute. Au moins connaissaient-ils, eux, la valeur de ces tableaux? Épargnez-nous votre prêche et essayez de comprendre une chose. Vous ne pouvez pas qualifier tous ces morts de voleurs en quête de trésors. J'ai vu des cadavres de femmes coupés en morceaux parmi ces momies. Et ils étaient encore frais. Oui. C'est étrange. Et c'est à vomir, même quand on a l'habitude de voir des cadavres. Alors c'est ce couple. Mais pourquoi? Imbécile! Imaginez-vous vraiment ces deux aimables chrétiens tuer quelqu'un de sang-froid? Non, c'est l'œuvre d'êtres envieux et cupides. Des païens nés de la barbarie. Des immigrés. Bref, je refuse de me joindre à ces calomnies. Voilà. C'est insupportable. Insupportable. Vous n'hésitez pas à tout mettre en permanence sur le dos des païens. Est-ce que tous les hommes d'église sont comme vous? À quoi bon vous répondre? Mais il faut que vous... Qu'est-ce que c'est? Voleur! Il était en train de rôder dans l'ombre à la recherche des trésors. Comme nous, quoi? Eh bien, expliquez-vous! Il est clair que ce voyou n'est autre que le monstre sanguinaire qui nous poursuivait. D'où venez-vous? De Hambourg? Et puis que m'importe, après tout, vous n'êtes qu'un sale voleur d'immigrés. Et vous avez sûrement le choléra, à coup sûr, comme les autres. Qu'est-ce que ça peut te foutre d'où je viens, pauvre connard? Écoutez, je me fiche de vos origines. Et je trouve aussi que c'est un connard. Mon Dieu! Mais... avez-vous tué tous ces gens? D'accord. Je suis un immigré et un pillard, et peut-être bien que c'est moi qui ai fait tomber le lustre sur vous. Mais c'est parce que je n'avais pas envie de partager le butin. Alors vous avez tué tous ces gens? Non! Je le jure devant Dieu! Laissez Dieu où il est. Pas le vôtre, sale bigot! C'est qui, alors? C'est le couple! Vous savez, les gardiens du monastère. Comment? Je dis la vérité, je les ai vus! Ça fait un bout de temps que je suis là. Quand ils trouvent un pillard, ils le tuent à la hache. Tous ces pillards viennent sans armes, les crétins, ils les attaquent par derrière. Mais si j'étais vous, je ferais attention. C'est incroyable, c'est incroyable. Croyez-moi, les chanceux meurent sur le coup. Les autres, je les entends hurler toute la nuit, éventrés, je les retrouve morts au matin. Oh, croyez-moi, de douleur, ils enfoncent leurs doigts au plus profond de leurs entrailles. Alors, croyez-moi ou ne me croyez pas, mais je dis la vérité, ces deux-là sont des démons. J'ai l'air d'un truand, mais je ne suis pas un tueur. Plus l'apparence semble irréprochable, plus le cœur est froid et sans pitié, tout comme lui. Ah ! Ça suffit ! Ouais ! Bien vu pour un voleur ! Vous êtes fou de croire cette crapule ! C'est un assassin. Il a tué des centaines de gens. Nous devons le livrer à la police pour qu'il soit jugé par les autorités. Nous, on est fous ? Pourquoi ? Parce que c'est un immigré ? Ou serait-ce parce que c'est une âme perdue ? Vous dites n'importe quoi, espèce de sale vieux bigot ! Ça suffit ! Ce que j'essaie de croire ce type ! Il y a des voleurs très honnêtes, vous savez. Mais... il a essayé de nous tuer. Donc... Oh, mon Dieu!
Pourquoi avez-vous fait ça? Si notre vie n'est plus menacée, c'est une victoire de plus pour le Seigneur, non? Mais si nous le laissons nous attaquer, c'est le camp des ignobles païens qui gagne. Qu'est-ce que vous préférez? Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Le princesse Alice? C'était un bateau de plaisance qui a coulé après un terrible accident sur la Tamise. Celui-ci aussi. Et celui-là, c'est étrange. Ils se nomment tous le Princesse Alice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. 5 décembre 1898, Ramsov. J'ai fini par découvrir le seul fournisseur de la ville 1898. Il pleut. J'ai peur que, des théories fondamentales, je vais entreprendre un long voyage qui me mènera vers les découvertes. Maintenant, je veux seulement reposer en paix auprès de ma femme. Hélène, je veux seulement te rendre heureuse. Veux-tu m'épouser? Oui. C'était la voix d'Hélène. C'est elle qui m'a appelée. Ça, c'est Milius. Oh, Lampsprick. Et ça, c'est Michael Mayer. Et celui-là, c'est l'Amphitheatrum Sapiensae Eternae de Kunrath. Quelle magnifique collection. Quelle magnifique collection. Je peux vous poser une question? C'est quoi, tous ces livres? D'anciens ouvrages sur le mysticisme et l'alchimie. Des sciences anciennes, quoi. C'est passionnant. Celui-là parle de la transformation du plomb en or. De pauvres ruses, de faussaires, assoiffés de pouvoir et aveuglés par la cupidité. Mais dans tout ce fourbis, il y a quelques perles rares. Des livres qui décrivent certaines expériences bien utiles pour comprendre les lois de la nature. Qui parlent d'un temps où les hommes seront tous égaux. De la volonté de Dieu. Un sujet dépassé en ces lieux. James, allez-vous... L'hermétisme, la cabale, foutaise. Pourquoi je ne le trouve pas? Vous ne trouvez pas quoi? Ça ne peut être que là. Vous cherchez quelque chose? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Eh bien, moi non plus. Qu'est-ce que vous avez à râler comme ça? Oh, vous êtes vraiment très bizarre, vous, hein? Et vous, un culte? Arrêtez votre cirque et expliquez-vous un peu. Quittez ce ton, je vous prie. J'ai mes raisons, et je n'ai pas du tout l'intention de vous les faire connaître. De toute façon, vous ne sauriez répondre à mes questions. Je n'ai pas gagé de vous plaire par mes réponses. Tous les hommes tuent-ils parce qu'ils n'aiment pas? Chacun déteste-t-il ce qu'il ne voudrait tuer? Moi qui croyais que vous ne lisiez que des mauvais poètes, vous lisez Shakespeare. C'est inattendu. De votre part aussi. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ce n'est qu'un cercueil, apparemment.
Ce n'est qu'une momie. Croisons les doigts. Ouais, plutôt décevant. Seigneur Dieu ! Le secret des faux-moires du fin fond du plus profond de l'océan émigra. Vous avez dit émigra ? Que savez-vous du document émigra ? Où est-il ? Mais répondez-moi ! Le document émigra ? C'est ça que vous cherchez ? Oh, espèce de vieux grincheux ! J'en ai marre ! Vous ne voulez pas parler ? Très bien, je vais trancher votre sainte gorge et vous jeter au rat ! Edward ! Je n'ai donc plus le choix. Voilà. J'ai reçu des instructions du Vatican. Il existe un manuscrit qui devrait se trouver dans ce monastère. Et c'est quoi ce manuscrit ? Eh bien, on l'appelle le document émigra. Et il est très important ? Pendant des siècles, il est resté caché dans la bibliothèque du Vatican. Personne n'avait le droit de le lire. On en venait même à douter de son existence. C'est étrange. Et pourquoi est-il ici maintenant ? Il a été volé. Volé ? Oui. Au Vatican ? Exactement. Incroyable. N'est-ce pas ? Peu de gens sont en mesure de voler un tel ouvrage au Vatican. Il faut bien connaître les lieux ou avoir beaucoup d'argent. Or, d'après notre enquête secrète, un homme fortuné a acheté ce monastère et a soudoyé quelqu'un au Vatican afin qu'il vole le document émigra et le lui remette. Un homme fortuné ? Oui. Patrick Hayworth. Mon ami. Mais... ça n'a rien d'une œuvre d'art inestimable. Pourquoi se serait-il intéressé à une chose pareille ? Patrick s'est toujours intéressé au mysticisme, à l'alchimie. Il est sur le point de franchir la limite et de se prendre pour Dieu. Se prendre pour Dieu ? En créant la vie, Edward, en créant la vie. Certains pensent que le document émigra contient les secrets des druides qui permettent d'accéder à la vie éternelle et la résurrection des morts. Mais c'est impossible ! Mais bien sûr que c'est impossible. Ce n'est que de la superstition, c'est pour ça que je suis là. Pour le convaincre d'arrêter ses expériences dangereuses et aussi de rendre le document émigra au Vatican. Oh ! Oh, ben, on a du mal à croire qu'un dingue pareil puisse vivre ici. Et d'après les gardiens, Patrick vit dans le bâtiment qui jouxte le temple. Ils ont dit ça ? Oui. Et ils sont terrifiés. Tous ces phénomènes étranges. Ils n'arrivent pas à voir Patrick et pourtant, ils voudraient l'aider. Ils m'ont demandé d'essayer de lui porter secours. C'est donc ça votre histoire ? C'est étrange. Un mystère de plus qui reste à éclaircir. Mais qu'est-ce que c'est que ces cloches ? Elles annoncent une nouvelle journée. Oh non, je sais, c'est la Toussaint. Les esprits sont en train de rassembler toute leur énergie, quelle puissance. On dirait... un monstre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas possible ! Non ! Kudelka ! Mon bateau. Vous êtes réveillé ?
Vous n'avez donc pas la moindre honte. Oh, si seulement Hélène était en vie, nous n'en serions pas là. Hélène ? Oh oui, elle était pleine de compassion, de bonté. Elle me croyait et elle aimait mes tableaux. Vos tableaux ? Du naufrage ? Je n'y suis pour rien. C'est la faute à la fatalité. On a vu ce cargo tout à coup sortir de nulle part. Il faisait nuit, qu'aurais-je pu faire ? Ce n'est pas ma faute. Hélène, pauvre, pauvre Hélène. Il aurait fallu que je sois là. Vous êtes quoi, vous ? Vous n'êtes rien, rien du tout. Un agneau, peut-être, mais rien d'autre, non. Un agneau que je vais sacrifier. Tu veux taire ? Chérie, arrête. Je suis désolée. C'est fini. C'est fini, Ogden. Tout va bien. Je suis désolée. Mon mari, il y a longtemps, était capitaine d'un grand bateau de plaisance, un bateau magnifique. Il en était si fier. Et puis, il y a eu l'accident. Des tas de gens sont morts. Tout le monde l'a accusé. Ça a été très dur pour lui. Il a commencé à boire beaucoup. C'est idiot, n'est-ce pas ? Tout l'alcool du monde ne pourrait faire oublier une pareille tragédie. Et puis, il y a eu Hélène. Elle croyait en son innocence. Elle l'a aidé à survivre. Cette Hélène, elle est morte ? Oui. Pourquoi faut-il que les meilleurs partent si vite ? Quel gâchis ! Patrick, le mari d'Hélène, était en voyage quand un voleur a pénétré chez eux. Mon mari ne cessait de répéter « Si seulement j'avais été là !» Mais nous n'avons que trop parlé, n'est-ce pas ? Car maintenant, mon mari m'attend. Il est si impatient, parfois. Edward. Koudelka. Par ici. Où es-tu ? Je suis là. Oh, Dieu soit loué. J'étais inquiet. Est-ce que ça va ? Tu es blessé ? Non. Ça va. Et toi, ça va ? Ce monstre a failli me massacrer. J'ai fui par un couloir. Les murs se sont effondrés. On ne peut pas retourner dans le sanctuaire. J'ai pensé que si tu t'étais enfui du jardin, tu serais ici. Alors j'ai emprunté le souterrain. Oh, c'est sans espoir. Cette porte ne s'ouvrira pas. Ah, bon sang. Il doit y avoir une autre sortie. Où êtes-vous exactement ? Il existe une autre porte qui mène à la cathédrale. La cathédrale, bien sûr. Il doit y avoir une autre sortie, un passage secret. Oui, un passage secret. Bien, séparons-nous. Koudelka, toi, tu pars de la porte. On va suivre le mur jusqu'à ce qu'on se retrouve. Compris ? Compris. Koudelka ? Oui ? Ne te fais pas tuer. Toi non plus ? Oh, vivant, repentez-vous, le jugement dernier approche. Les cieux se consumeront au son discordant de sept clairons et tous les pécheurs périront dans les flammes de la colère divine. Mais moi, moi non, moi je ne mourrai pas. La mort ne connaît pas de frontières, elle est partie intégrante de toute vie. La mort est un acte d'amour et de grâce de notre Seigneur. Oh, une bénédiction, n'est-ce pas ? Oh, Daniel Scotus Erigena, une âme pure. C'est en vain qu'on cherchait un cœur dans le corps de cet homme. Mais je le remercie d'avoir bâti ce monastère ici. Et vous êtes ? D'où est mon savoir-vivre ? Bonjour, je m'appelle Roger Bacon. Je suis membre de l'Ordre des Franciscains. Un moine ? Je vous prenais pour une momie. Oui, oh, votre remarque est tout à fait pertinente. Un poisson séché doit être plus agréable à regarder que ce vieux corps fripé. Il fut un temps où l'on me considérait comme le plus grand des sorciers.
Mais ma profession est plus ou moins à la mode, selon les époques. Je ne peux rien y faire, hein. Vous êtes un homme étrange, si toutefois vous êtes vraiment un homme. J'ai cessé d'être un homme il y a déjà quelques centaines d'années. Je ne suis plus une personne, mais j'hésite encore à répondre aux questions qui me concernent, car je ne sais pas encore exactement ce que je suis. Très bien. Après tout, ça ne me regarde pas. Mais dites-moi, pourquoi dormiez-vous dans un endroit aussi étrange ? Je n'ai jamais su me lever de bonne humeur. J'avais entrepris de faire une petite sieste. Et en quelle année sommes-nous ? On utilise toujours le calendrier grégorien. Vous vous moquez de moi ou bien vous êtes sérieux ? Évidemment que je suis sérieux ! Mon horloge était trop grande pour le cercueil. Nous sommes en 1898. Seigneur Dieu! Je me suis fait une sieste de presque 100 ans. Bien. Je vois qu'il y a encore des choses qui vous étonnent. Prenez garde au moment où votre existence devient sans surprise. C'est là que vous commencez à prendre le chemin qui mène tout droit au Seigneur. Oui. Quoi qu'il en soit, en gage de mon amitié, je vais vous laisser la porte métallique ouverte, rien que pour vous. Allez-y. Pourquoi faites-vous ça pour moi ? Je crois que vos amis sont en train de devenir fous dans les catacombes du monastère. Ils font un sacré raffut. Pourriez-vous leur demander de bien vouloir se calmer ? Koudelka. Edward. Dieu soit loué, tu es vivante. Ne vous réjouissez pas trop vite. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai vu les gardiens, le mari et sa femme. C'est vrai, où sont-ils ? Ils sont morts. Apparemment, ce sont eux qui sont responsables de la mort des pillards et des truands qui cherchaient à s'introduire dans le monastère. Et cela dans un but bien précis. Non, je n'arrive pas à vous croire. Vous saviez mieux que nous ce qui se tramait. Ogden tuait les voleurs car il voulait venger la mort d'Hélène. Hélène est... est morte ? Non, je ne peux pas le croire, c'est absurde. Qui est cette Hélène ? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que son esprit m'a conduit ici. Hélène... Dites-moi... Qui est Hélène ? Et Patrick ? Les gardiens m'ont appris que des voleurs s'étaient introduits chez eux et avaient assassiné Hélène. Elle était la bienfaitrice des gardiens. Et ils ont décidé de tuer tous les pillards et tous les truands qui pénétraient dans leur domaine. C'était leur façon de la venger. Je suis originaire d'Irlande. Ma famille, bien que modeste, a réussi dans les affaires et a pu m'envoyer à l'école, que j'ai adorée dès mon plus jeune âge. J'ai été admis dans une prestigieuse université en Angleterre. Et grâce à l'aide financière de ma famille, j'ai pu faire le voyage. C'est là-bas que j'ai rencontré Patrick. Nous suivions les mêmes cours de chimie. Nous sommes devenus amis et nous ne nous sommes plus quittés. C'est à cette époque que nous sommes tous les deux tombés amoureux de la même femme, Hélène. Et nous nous sommes brouillés. J'étais éperdument amoureux d'elle. Omnia vincet amor, juraient les latins, mais c'est faux. L'amour ne triomphe pas toujours, et pas de tout. Je me suis vite rendu compte que je ne pourrais offrir ni le rang social, ni l'argent nécessaire à une femme aussi bien née et aussi délicate qu'Hélène.
J'ai alors décidé de laisser ma place à Patrick. Et pour alléger ma peine, j'ai choisi de quitter le monde profane et de devenir prêtre. Comme je suis un perfectionniste, le Vatican m'a donné de grosses responsabilités et m'a nommé évêque. Mais ô combien il est difficile de se délivrer des chaînes du cœur. Je ne les ai pas vus pendant 20 ans. Mais je leur ai toujours souhaité d'être heureux ensemble. Et sans cette histoire, je n'aurais pas hésité un instant à revoir Patrick. Patrick, mais que lui est-il arrivé? Il m'avait pourtant promis de prendre soin d'elle, et de la rendre heureuse. Comment est-ce possible? Moi qui ai vu ce qu'il faut bien appeler le charnier, j'ai vraiment du mal à croire que les gardiens n'ont agi que par vengeance. Croyez-moi, c'était un spectacle absolument abominable. Et comment expliquez-vous la présence de ces monstres? Non. Il doit y avoir un autre mystère à éclaircir. Voici la clé de la demeure de Patrick. On y va? Charlotte, tu sais ce que c'est, ça? Ce sont des lettres de ta mère. Ma mère? Des lettres d'elle? Il y en a tellement! Savais-tu que ta mère était la reine d'Hanovre, Charlotte? Il semblerait que tout de suite après t'avoir mise au monde, ta mère ait été emprisonnée au château d'Alden. De ce jour, elle n'a plus jamais eu la moindre nouvelle de toi. Mais ça ne l'a pas empêchée de t'écrire souvent au monastère. C'est vrai qu'elle ne t'a jamais vue, mais si tu savais comme elle t'a souvent imaginée. Elle ne vivait que dans l'espoir du jour où elle pourrait te prendre dans ses bras. Ses courriers ne t'ont pas été remis. Et elle n'a jamais appris ce qui t'était arrivé. C'est pour ça qu'après ta mort, ses envois n'ont pas cessé. Ta mère t'aimait, Charlotte. Quoi? Non. C'est fini, c'est trop tard. Elle m'aimait? Non. J'ai peur. Et je sonne chaleur. Je ne veux pas. Aidez-moi! Je ne te crois pas! Tu veux que je lui pardonne? Non. Elle m'aimait? Je te déteste. Je te déteste. Ne fais pas pour moi. Charlotte. Ça te fait quoi de savoir qu'on t'aime? Je sais qu'il est quelque part. Voyons. Ah, enfin. Mais vous en avez mis du temps. Roger, c'est la momie qui pas... était dans le cercueil. Depuis quand vous connaissez-vous? Je ne suis pas une momie. Je m'appelle Roger Bacon. Et je suis un vieillard comme les autres. En 20 ans d'existence, c'est la première fois que je croise un vieillard aussi bizarre que vous. Oui, je vois. Eh bien moi, je peux vous assurer qu'en 600 ans de vie, j'en ai vu beaucoup des gens aussi bizarres que moi. Dites-moi, mon brave, auriez-vous un lien de parenté avec le grand sorcier Roger Bacon qui fit tant de bruit au XIIIe siècle? Ouh, vous êtes très cultivé à ce que je vois. Je suis le fameux Roger Bacon, le sorcier dont vous parlez. Vous voulez dire que vous êtes né en 1210 et que vous vivez encore aujourd'hui en l'an 1898? En fait, pour être exact, je suis né en 1214. Koudelka, quelle est cette plaisanterie? C'est à vous de me le dire. Mais quelle plaisanterie? Il n'y a pas de plaisanterie! Je suis bien le vieux, le fameux, le glorieux Roger Bacon! Bon, très bien. Si vous êtes vraiment Roger Bacon, dites-moi où et avec qui vous avez étudié. Oh,
réponse est très simple. Je suis entré à Oxford en 1247 et j'ai étudié sous la tutelle de Robert Grosseteste. C'était un bon professeur, mais qui, à mon avis, manquait de sagesse. Et je suis l'auteur d'Opus Mus, mon chef-d'œuvre, et de bien d'autres ouvrages sur les sciences naturelles. J'ai été un pionnier, un visionnaire, oui, parfaitement. Et mon œuvre a influencé les recherches de générations de scientifiques. Mais hélas, tout cela est bien peu de choses comparé à l'immense travail que j'ai accompli en copiant le document Émigrat pour le pape. Le document Émigrat ? Je me doutais que vous le connaissiez. Bien entendu, il m'a fallu 5 ans pour le recopier dans son intégralité. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur ce livre. Et de quoi ça parle ? Est-ce que il dévoile tous les secrets de la vie et va bien au-delà de toutes nos connaissances. Il traite des rites secrets de l'ancien peuple des Faumoirs pour accéder à l'immortalité. Oui, les Faumoirs s'appropriaient la vie des ressuscités. Oui, ils inversaient les lois de la nature et le cycle de la vie. À l'époque des druides, Alexandre le Grand a fait transcrire le document Émigrat en grec pour enrichir la bibliothèque d'Alexandre. La résurrection des morts, alors c'est vrai? On a longtemps considéré le document Émigrat comme un ouvrage extrêmement dangereux. Il était conservé sous bonne garde dans les coffres du souverain pontife, mais apparemment... Le livre n'a pas résisté à l'usure et aux inévitables outrages du temps. Et le pape a ordonné que l'on en crée une nouvelle édition en recopiant le texte intégralement. Et c'est là que j'interviens. Le pape m'a demandé de copier le livre, mot pour mot, une fois ma tâche accomplie. Tout porte à croire qu'il était prévu de me supprimer. Mais on ne dispose pas de moi aussi facilement. J'ai réussi à m'échapper et à trouver le chemin qui mène à la terre sacrée à laquelle le document Émigrat fait référence. Eh oui. Et les rites secrets ? Et ne me dites pas que... Ai-je besoin d'en parler ? Regardez, j'en suis la preuve vivante. Vous avez réussi. Mais je ne saurais reproduire l'expérience sur d'autres, oui. J'ai réussi à échapper aux griffes de la mort, oui. Mais pas à ce grand principe qui est à l'origine de la vie, le changement. Mon pauvre corps n'a pas trouvé le moyen de se soustraire à ce principe, comme la peste son état de déchéance. Ces 300 dernières années, je n'ai rien fait d'autre sur Terre qu'errer de par le monde. C'est long, 3 siècles. J'en ai eu assez de voir la cruauté des hommes. Alors, je suis venu ici pour me reposer. Bien. Trêve de bavardage, j'ai des recherches à mener. Pouvez-vous me laisser seul, s'il vous plaît ? Voici donc Hélène. Oui, c'est bien elle qui m'est apparue. Vous en doutez ? Non, non, c'est elle. Bien, alors allons-y. Cela fait si longtemps, monsieur O'Flaherty, si longtemps. Oh, Hélène, est-ce vraiment vous ? Oui, c'est moi. Qu'il m'est triste de ne pouvoir me présenter à vous que sous cette forme pour nos retrouvailles. Vous êtes la femme qui a répondu à mon appel, n'est-ce pas ? Merci de venir en aide à un être de mon espèce. Hélène. Hélène, je ne peux pas l'accepter. Expliquez-moi ce qui vous est arrivé. Bien sûr, je vais vous expliquer. James, il y a 18 ans, j'ai été assassinée par des voleurs qui ont pénétré chez moi.
J'étais sans défense. Patrick et Ogden s'étaient tous les deux absents. Personne n'a rien pu faire pour me protéger. Oh non, non. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je sais. Patrick a réagi de la même manière. Il ne pouvait accepter ma mort. Il a passé des années à étudier la sorcellerie. Et il a tout tenté pour me redonner la vie. Ressusciter une morte? J'ai bien entendu. On se croirait dans Frankenstein. Frankenstein? Un roman écrit il y a une centaine d'années. Patrick le prenait très au sérieux. Et il avait trouvé le moyen de réaliser son rêve. Le document émigra. Oui, avec l'aide d'Ogden et le savoir des druides, il a organisé une cérémonie de résurrection au monastère. Mais ça s'est mal passé, c'est ça? Il n'a redonné vie qu'à mon corps. Mais mon âme est toujours condamnée à errer dans l'univers séparé à jamais de mon corps. Et le plus effrayant est que mon corps est devenu un monstre sanguinaire. Un monstre. Même si le monstre me ressemble, ce n'est pas moi. Monsieur O'Flaherty, de grâce, faites que mon corps redevienne poussière. Redevienne poussière? Mais si je fais cela, on ne pourra plus vous ramener à la vie. Monsieur O'Flaherty, ces voleurs, il y a 18 ans, m'ont ôté la vie. Et je pourrais les haïr à jamais. Mais je préfère penser que ma mort est l'œuvre du Seigneur. Ne pleurez pas, ma mort. Patrick n'aurait pas dû tenter de me ressusciter et de défaire ainsi l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas triste. La mort est au cœur de la pensée divine. Oh. De grâce, détruisez mon corps. Hélène. Son existence est un affront à la divine providence. Il ne faut pas qu'une telle chose soit. Attendez, Hélène. Oh, mon Dieu. Quel monde cruel. J'ai tout donné pour ton bonheur et maintenant, me reste-t-il? Ma vie n'a plus le moindre sens. Qu'ai-je donc fait de ma vie jusqu'à ce jour? Hélène. 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 Je sais qu'il est là. Je l'ai vu, je l'ai mis là. Mais est-ce que vous êtes revenu ici pour me voir? Je voulais vous montrer ça. Hein? Un journal de recherche? Pourriez-vous nous dire si ce qui est écrit ici peut vraiment arriver? Bien, voyons cela. Oui, je vois, c'était exact, la résurrection des morts. Un chaudron, les contes de Branwen, en effet, oui. Il est fort probable que les événements décrits ici soient vrais. J'en étais sûr. Mais c'est si terrifiant. Personnellement, que... je n'ai pas essayé. Je sais que le document émigra contient la description de rites secrets pour la résurrection des morts. Mais comme vous l'avez appris en lisant ceci, le travail préparatoire est assez complexe. J'ai renoncé devant la difficulté de fusionner les forces surnaturelles nécessaires pour une telle puissance psychique. Et je ne pensais vraiment pas que quelqu'un oserait se lancer dans cette aventure. D'après le journal, le corps a repris vie, mais il n'en va pas de même pour l'âme. Absolument! Voyez-vous, les anciens avaient réussi à percer le secret de la vie. Mais... ils n'ont jamais pu, ne serait-ce qu'approcher, les secrets de l'âme.
Il ressuscitait les morts afin de pouvoir utiliser leur corps dans la construction de la grande civilisation qui a tant fait parler d'elle. En fait, on pourrait presque les qualifier de marionnettistes, utilisant les corps humains comme autant d'objets. Ce qui veut dire que... Oui, ressusciter un mort et le rendre à la vie telle qu'il était avant de mourir est impossible. Alors comment rendre à la Terre un corps une fois ressuscité? Et c'est une question d'une grande complexité, car elle est un défi à la logique universelle. Je vous en prie. Ce n'est pas si facile. Dites-moi comment. C'était la volonté d'Hélène, paix à son âme. D'accord. Ce n'est pas totalement impossible, mais je vais devoir invoquer les forces sacrées pour réussir une telle prouesse. Oui, je sais qu'une statue en pierre des catacombes contient le bras de Daniel Scotus, le fondateur de ce monastère. Si nous le jetons dans le chaudron, nous parviendrons à détruire les racines de l'arbre de vie. Après ça, je ne sais s'il faut invoquer les énergies du feu ou s'il faut se fier à celles de l'eau. Tout cela est d'une telle complexité. Le feu ou l'eau? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, Dieu Tout-Puissant, bénis nos âmes et mets fin à toute cette souffrance. Ça doit être le temple. Inutile! Elle ne bougera pas, même si je tire dessus. Qu'allons-nous faire? Avoir fait tout ce chemin sans pouvoir entrer dans le temple, quelle ironie du sort! Kudelka, Edward, partez maintenant. Mon ami Patrick est responsable de cette situation. C'est moi donc seul qui suis concerné. Je n'ai pas l'intention de faire appel à votre compassion et je suis mal placé pour solliciter votre aide. À partir de maintenant, je cheminerai seul. Ne vous faites pas d'illusions. On n'est pas venu pour vos beaux yeux. Non, non, Kudelka, tu devrais t'en aller. C'est beaucoup trop dangereux. Edward, c'est toi qui devrais rentrer chez toi. Tu n'es pas fait pour ce monde. Je reconnais que tu as une sacrée expérience du combat, et je ne peux pas nier que tu as un véritable instinct de tueur, mais tout cela mis à part, tu n'es qu'un type très banal. Ce n'est pas comme moi. Je suis faite pour cet univers. Il n'y a qu'ici que je parviendrai à faire ma vie. Arrête ton serment, Kudelka! Je ne veux pas d'une existence médiocre, faite de regrets, non. Non, moi je veux vivre sans penser au lendemain, et je veux faire tout ce qui me plaît. Le hasard n'a guère de sens pour moi. La vie est un jeu, et quand on se lance, mieux vaut ne pas s'arrêter, sinon c'est la mort. Edward, tu es vraiment ridicule. Tout le monde me le dit. Faites ce que vous voulez. Et j'y compte bien. Ah, et tu crois que les portes vont s'ouvrir comme ça, simplement parce que tu l'as décidé? Attendez. Il y a un moyen. Rappelez-vous, lorsqu'on fouillait la maison de Patrick, nous avons trouvé des substances chimiques. Ça peut prendre du temps, mais je crois pouvoir fabriquer de la nitroglycérine. De la nitroglycérine? Excellent! C'est un formidable explosif, ça! J'imagine qu'il en faudra une pleine fiole. Et si par malheur je devais la laisser tomber, je serais chez Saint-Pierre en un éclair. J'y vais, et c'est fait. La cloche m'invite. Ne l'entends pas, Duncan, car c'est le glas qui t'appelle au ciel ou en enfer. Et après? Qu'est-ce qui est arrivé à cette Mélanie? Le lendemain matin, elle était partie. Elle avait presque tout emporté.
Dis, t'as pas de chance avec les femmes. Oh, tu sais ce qu'on dit? Les plus belles ruptures sont celles où la femme vous abandonne. Ah oui? Quel triste constat. Mais tu as de la chance d'avoir autant de gens avec qui t'amuser. Moi, je suis toute seule. J'ai toujours été seule. Tu veux bien me parler de ton enfance? Ah ouais, j'ai eu une enfance. Je suis née dans un petit village du Pays de Galles, sur les rives du fleuve Taliesine. Dans un petit village de gitans. De gitans? Ouais, de gitans. Mais on ne disait pas gitans. On est des Roms. Un vrai gitan doit naître à la belle étoile. Mmh. Et c'est son destin de mourir à la belle étoile. C'est la tradition. Alors j'imagine que tu comptes mourir à la belle étoile. Hein? À la naissance, on reçoit tous un nom gitan. Moi, mon nom gitan, c'était Slato. Slato? Mmh. C'est un nom aux consonances bizarres. Et ça veut dire quoi? Je peux pas te le dire. Oh. Ah, ça aussi, c'est la tradition. Mmh. C'est la tradition. Et dès que je t'ai vu, j'ai remarqué dans ton regard cet éclat énigmatique et mystérieux. Ça doit être ton côté gitan. Un seul de tes regards perçants fait naître en moi en un instant ou bien l'espoir, ou bien la peur. Encore Byron? Gagné. Tu l'aimes vraiment beaucoup, hein? Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu mon alter ego. Est-ce qu'il est aussi égocentrique que toi? Je préfère me qualifier de romantique. Mon père était un homme sévère qui n'a jamais pardonné à son fils d'avoir échoué dans ses études. Pour lui, mes échecs tenaient à ses heures perdues à inventer des aventures et à rêver d'un monde idéal. Il m'a forcé à croire que les rêves, le pouvoir de l'imagination et tout ce que j'adorais enfant était une vaine et inutile perte de temps. C'était comme s'il m'avait dit que j'étais inutile. Mais qui sait? Peut-être avait-il raison. Oh, je crois que je suis né trop tard. Quand j'ai eu 15 ans, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout avait déjà été fait. On avait colonisé le Nouveau Monde, exploré les forêts vierges. Il n'y avait plus de monde sauvage à découvrir. Plus de jungle à traverser à la machette. C'est pour ça que j'ai fini par errer dans ce pays. C'est vrai, je me suis un peu battu. J'ai joué avec le feu. J'ai risqué ma vie, quelquefois. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité que je recherche. J'ai soif de toute autre chose. Là, j'ai du mal à m'expliquer. Mais j'ai le sentiment d'être en quête d'un trésor, d'une toute autre nature. Koudelka, je t'envie, tu sais. Tes pouvoirs surnaturels en feraient rêver plus d'un. Et comme tu es gitane, tu es libre de vivre où tu veux. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu me comprends? Sais-tu seulement comment j'ai grandi? Tu me fais rire. Des aventures? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'imagines pas ce que j'ai enduré à cause de ces fameux pouvoirs. J'étais encore une enfant quand mon père est mort.
J'avais prévu l'heure, le lieu et les circonstances exactes de sa mort. Tu te rends compte? Prévoir la mort de son propre père. J'ai été maudite pour ses pouvoirs, qu'un enfant devrait ignorer. Quant à ma mère, elle me redoutait tant et me détestait tellement qu'elle a même tenté de m'étrangler de ses propres mains. Le conseil des anciens s'est réuni et a décidé de me bannir. Je n'avais que 9 ans. Tu sais ce que c'est que d'avoir 9 ans et de devoir vivre sans l'aide de quiconque ? Trésor, tu plaisantes. As-tu jamais pleuré, supplié pour avoir à manger ? As-tu jamais vendu ton corps pour t'abriter du froid glacial de la nuit ? Dans ce temps-là, j'étais comme Charlotte. Personne ne m'a jamais aimée. Ces paroles m'ont transpercé le cœur. Elles parlaient de moi. Comme elle, je souhaitais la mort de tout le monde. Et je haïssais la terre entière. Et tu vois, Charlotte a fini par trouver la paix et hop, 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 est allée au ciel. Moi, je suis toujours en vie, et toujours seule. Personne ne m'a jamais tendu la main, personne! Koudelka, tu... Je ne suis pas aussi libre que tu le dis. Je suis sale, je suis pauvre, et je suis ignorante. J'ai jeté ma fierté gitane aux chiens pour rester en vie. Mais tu vois, même moi, j'arrive à faire le bien. Avec mes pouvoirs, je peux alléger les souffrances des autres. Et dans ces moments-là, je suis heureuse d'être en vie. Je n'ai pas besoin d'amour. Je veux juste donner sens à ma vie. J'ai besoin que quelqu'un me dise qu'il a besoin de moi. Jamais tu ne pourras comprendre. Hé, hey, qu'est-ce qui vous prend? Ne faites pas ça, arrêtez! Je ne demande pas votre aide. Ceci est mon affaire. Vous n'allez pas mourir avec moi. Vous êtes sûr? Allons-y.
Saint Daniel Scotius, protège-nous de ces esprits maléfiques et donne-nous la force. Amen. De la poussière. Retourne maintenant en paix vers ton créateur. Est-ce donc ma faute? Dites-le-moi, Seigneur. Me punissez-vous pour les péchés qui ont entaché mon chemin vers la foi? Seigneur, j'accepte mon sort, et si tel est votre désir, je m'y soumets. Que ceux qui ont des yeux voient, que celui qui doit vivre en captivité vive en captivité à jamais. Que celui qui doit mourir par l'épée meure par l'épée. Je suis ce que je suis. J'accepte mon destin. Oh, je vous ai toujours aimé, Hélène. Souvenir des jours heureux. Oh. Oh non, regarde, les flammes se rapprochent. Du calme, il y a forcément une solution. Fais-moi confiance, on s'en sortira. Ces temps troublés, les jeunes ont toujours tendance à en faire beaucoup trop.
Le soleil s'est levé. Bien que je le préfère quand il est un peu voilé, finalement. Au revoir. Même s'il y a de grandes chances pour qu'on ne se revoie jamais. Hé, hey, ton surnom, Slato, ça veut dire quoi? Je ne le répéterai à personne. Dis-le-moi. Ah, bien, ça veut dire trésor. Riche idée, je m'en souviendrai, trésor. Est-ce que ça va, petite? Tu ne veux pas le suivre? Ça va. J'ai l'impression que... qu'un jour, quelque part, lui et moi, on se reverra. J'ai assisté à des événements très intéressants. Ce serait dommage de se rendormir maintenant. Hé, hey, Koudelka. Tu sais, je me demande ce qu'elle allait dire. Edward. Les morts ne parlent pas. Ce n'est qu'un mauvais souvenir. Hein? Ce qu'on a vu, ce n'est qu'un mauvais souvenir? Je crois. Les souvenirs. On m'a dit un jour qu'après la perte d'un être aimé, on n'a plus que des souvenirs. Des souvenirs qui, comme autant de fils invisibles, nous rattachent à lui.